Pour ceux qui ne le savent pas, Minecraft a été commencé le 10 mai 2009. Du coup, vous devez vous demander pourquoi je vous dis ça. Et ben, c'est pour une toute nouvelle vidéo dont je vais vous présenter le thème tout à l'heure, qui est sur Minecraft évidemment, mais qui n'est pas sur Minecraft actuel. Donc je vais vous montrer. Donc en gros, déjà, bah salut, vu que c'est Dargon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, mais un ancien Minecraft. C'est-à-dire que là, spécial 10 ans, on clique dessus sur Minecraft, le site de Minecraft.net. On va arriver sur une page. Bon, là, on a les souvenirs, ce qu'ils ont pu rajouter. Bon, ils ont fait un petit troll avec 2029, ils ont parlé du futur. Voilà. Avec les creepers qui existent réellement. Genre, Minecraft lancé sur Mars. Les creepers sortent du jeu et entrent dans la réalité. Existence d'une technologie de voyage dans le temps. Top secrète que Mojang utilise pour parler des futures mises à jour accidentellement divulguées dans cette chronologie. Oups. Voilà. Alors, on a juste là en dessous, lancer Minecraft classique. On arrive sur une page. Donc là, hop, ça charge Minecraft. C'est bizarre, on est sur Internet et ça charge Minecraft. Ok. Et là, on arrive là-dessus. On a notre pseudo pour le start. Voilà. Et on a juste en haut, ici, où en fait, si vous copiez-collez, donc copie, ça va copier, vous aurez la possibilité de jouer avec un ami en fait. Voilà, bon, je ne l'ai pas testé ça encore, mais vous pouvez faire ça. Donc là, voilà, vous arrivez en jeu, la sensibilité est vraiment très très différente, quand même, elle est vraiment très faible en fait. Donc, et vous pouvez pas la régler, il me semble. Il me semble, on peut pas la régler. Parce que contrôle, non, c'est pas contrôle, c'est, ouais, voilà, bon, il n'y a pas marqué là. Donc, alors, on va, ce qu'on fait, en fait, hop, voilà, déjà, on va se déplacer un peu. Voilà, donc là, je suis sur Internet, j'ai juste caché l'affichage en haut avec F11, voilà, mais du coup, je remets, je cache juste l'affichage en haut, parce que sinon, ça sert pas à grand-chose. Donc, là, ce qu'on va pouvoir faire, là, on est sur une version très ancienne. Si on fait clic droit, ça fait pas comme sur les pages web normales où c'est, ça demande d'afficher le code et tout. Donc ça fonctionne. En gros, clic droit, vous avez de base, là, normalement on arrive comme ça de base. Avec vous avez votre barre en bas. Bon, je vais rester, ouais, c'est mieux comme ça parce que comme ça on voit mieux la barre en bas. Sinon on la voit pas tellement, la barre des blocs. Donc là vous êtes comme ça. Vous allez pouvoir, là vous voyez les blocs où est-ce que vous allez les poser. Donc c'est l'endroit où vous allez poser. J'ai un bloc de stone en main là. J'arrive pas à changer d'ailleurs. Ouais bon, j'arrive pas à changer. Mais du coup, hop, on clique gauche. Et là, ça va le poser. Si vous restez appuyé sur clic gauche, ça n'a pas fonctionné. Donc là, vous appuyez un clic, ça va poser où est-ce que ça vise. Si vous voulez casser les blocs maintenant, clic droit, vous cliquez. Hop. Et là, ça va casser. Donc voilà, donc là vous alternez entre les deux, les modes où vous cassez, mode où vous posez. Bon là on a juste un seul bloc. Là normalement la molette permet de changer d'item, mais ça fonctionne pas tellement. Vous avez les petits, enfin ça fonctionne pas tellement. C'est juste là hier ça fonctionnait pour moi, donc je sais pas pourquoi ça fonctionne plus là. Mais du coup vous avez moyen de que ça fonctionne quand même. Vous appuyez sur les raccourcis en haut, vos chiffres, où il y a par exemple le chiffre 2 où il y a marqué E sur votre clavier, un E accent aigu, ça va afficher sur la deuxième, la troisième pour le 3, le 4, etc. Donc c'est les chiffres juste au-dessus des lettres. C'est pas ceux où il y a, enfin c'est pas ceux où il y a juste des chiffres en affichage à droite avec les flèches. C'est pas ceux-là. Donc vous prenez ceux juste au-dessus des lettres. Et vous pouvez changer le bloc que vous allez sélectionner pour poser du bois par exemple. Donc vous avez du bruit à chaque fois que vous cassez un bloc. Sauf si c'est... Alors si je me rappelle bien, je sais plus quel bloc c'est exactement. Mais il y a un bloc. C'est si vous le... Voilà, c'est le dernier. Si vous le cassez, il fait aucun bruit. Voilà. Lui c'est le mushroom. J'étais même pas au courant qu'il y avait déjà un champignon dès le début de Minecraft. Mais du coup, si vous le cassez, ça fait aucun bruit lui.
Si vous le placez, c'est pareil. Bon, les autres, si vous le placez, je crois que c'est pareil, ça fait pas de bruit. Ouais, ça fait pas de bruit. C'est que dès que vous cassez que ça fait du bruit. Donc là, ensuite, on a, hop, contrôle, option, contrôle, donc échappe, option, contrôle. Là, votre touche. Donc, comme d'hab, comme pour le jeu d'hier, vu que c'est sur navigateur, dès que vous faites des touches qui ne sont pas sur votre clavier, ça ne va pas fonctionner, ça. Donc, vous pourrez pas mettre clic gauche, par exemple. Voilà, ça fonctionnera pas. Vous êtes obligé de mettre une lettre. La N, par exemple. Mais je vais laisser Z. Z, ça me va. Donc, vous réglez comme vous voulez. Avancer, aller à gauche, etc. C'est basique, en fait. Ensuite, il y a barre d'espace pour sauter. La build B éclate. Donc, alors, le build, franchement, c'est un truc qui vous permet d'avoir plusieurs blocs. Voilà. Bon, il y avait toutes les laines, en fait, de base. Donc, ça permet de faire des constructions, en fait. En réalité, de toutes les couleurs. Ça doit être un bloc d'or, peut-être. En fait, on peut pas accéder à l'inventaire. Donc, essayez pas, d'ailleurs, en fait. La touche E, ça fait rien. Voilà. Mais du coup, ça, c'est un bloc. Ça doit être un bloc d'or. Un truc du genre. Et du coup, vous pouvez changer comme ça. Donc, ça va changer le bloc que vous êtes en train de sélectionner. Là, je sélectionne le 1, par exemple. La stone. J'appuie sur B. Je choisis du sable. Ben, il y aura du sable là. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, ça alterne avec l'autre où il y en avait, où il y a déjà du sable. Mais si je prends ça, voilà. Ça me met de la laine orange. Et on peut build avec. C'est quand même, en vrai, plutôt ouf ce qu'il y avait déjà au début. Je sais pas quand est-ce que c'était sorti ça, mais c'est la version 0.0.23A-01. Juste un truc à savoir. Vous ne pouvez pas sortir de l'île. L'endroit où il y a la bedrock sur les côtés, ça montre la limite. Parce que en bas là, il y a... en fait non, en vrai en bas il y a aussi de la bedrock, mais c'est en dessous. Voilà, en dessous vraiment très très bas, il y a de la bedrock et d'ailleurs il y a aussi des cavernes avec du fer et tout. Juste un truc, je n'ai pas réussi à prendre ce bloc. Si vous faites la touche contrôle avec... enfin, clic molette. Ça a fonctionné pour sélectionner le bloc que vous visez. C'est-à-dire, là, j'ai un bloc de bois en main. Je veux prendre la stone. Et je l'ai dans mon inventaire. Je fais clic molette en la visant. Et voilà, ça va directement sélectionner la stone. Voilà. Après, vous avez aussi du charbon en minerai. Donc, vous avez quelques minerais. Vous ne pouvez pas double jump, pourtant on est en créatif. Voilà. Donc c'est un poil embêtant, on est obligé de faire des escaliers pour remonter. Mais à part ça, bon, ça va. Voilà. Et du coup, hop, on remonte. Par contre, l'eau, ça fonctionne pour remonter. Donc voilà, vous pouvez très bien vous servir de l'eau pour remonter. Il y avait des arbres apparemment aussi, dès le début de Minecraft. Et bah, c'est plutôt cool ça. Ok. À part ça... En contrôle, on a toggle fog. Ça c'est la luminosité apparemment. Voilà. Enfin les particules, le truc du genre. Non, pas particules, c'est plus visibilité. Ensuite, il y a un truc vraiment qui n'est pas dans Minecraft de base. Appuyez sur la touche entrée de base. Donc c'est la touche du save location. Voilà. Et ensuite, vous aurez la touche du lot de location. Donc moi, j'ai mis R. Vous appuyez sur R. Ça vous téléporte. Ça fait un home, en fait. C'est comme les lits, en fait, dans Minecraft, où dès que vous mourrez, vous pouvez vous téléporter au lit. Mais là, en fait, c'est... À tout moment, on peut se téléporter, en fait. À l'endroit... Oh, putain, ça a cassé le bloc. Ça a cassé le bloc, je sais pas pourquoi. Mais du coup, à tout moment, vous pouvez vous téléporter. À l'endroit où vous avez élu domicile. Voilà. Il y a un seul arbre d'ailleurs là. Mais en vrai, vous pouvez construire des autres arbres d'ailleurs. Donc ça va. Si vous voulez végétaliser un peu votre endroit, votre île. Parce que l'île, du coup, elle est limitée un peu en termes de taille. Elle est un peu limitée. Vous pouvez pas faire au maximum. En termes de hauteur, je sais pas du tout si c'est limité. Apparemment, déjà, on peut monter en hauteur et je ne sais même pas, on n'a même pas d'affichage de hauteur, donc bon, on va pas essayer non plus.
Parce que sinon, si on n'a pas l'affichage de l'auteur, ça sert pas à grand chose. Donc bon, évidemment, on peut pas se mettre en spectateur parce que si on fait F5, c'est une page Google, ça va actualiser. Donc voilà. Ensuite, on a des trucs plutôt cool. Donc là, le chat, voilà. Le chat, vous appuyez sur moi c'est de base c'est pâté. Sur votre touche de chat, vous écrivez ce que vous voulez. Vous appuyez sur entrée. Et c'est écrit ce que vous voulez. Ensuite, échappe pour sortir de la zone de chat. Et là, je mets salut. Attendez. Salut. Je fais échappe et je reviens. Ça, voilà. Ça garde le texte que vous avez mis. Et vous pourrez l'envoyer après. Voilà. Donc ça, c'est pour un serveur à plusieurs. Sachant que les parties, vous pouvez les faire rejoindre à plusieurs. C'est pour ça que je vous ai dit ça. C'est avec ça, là-haut, le join. Vous pouvez ramener vos amis sur votre génération, sachant que ça, c'est vraiment des serveurs en fait. Parce que dès que vous générez votre monde, ça va générer ce code-là derrière, cette génération, et puis les mecs pourront se connecter dessus. Si c'est pas généré, là, par exemple, si je change par un G, ça ne fonctionne pas. Donc, bon, je vais faire annuler, mais ça ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez tout simplement vous connecter avec vos amis sur les générations que vous faites. Voilà. Ensuite, on a un autre truc qui n'est pas marqué là-dedans. Bon, musique. La musique, je sais pas ce qu'il y a. Invert mouse, ça se pourra à l'envers. Son, show FPS. Voir les FPS, j'en ai bien plus que sur Minecraft de base, je suis trop dégoûté. Render distance pour voir loin ou pas. On va mettre en loin. Et le truc le plus fun au monde. Attendez, attendez de voir ce que je vais vous montrer. 3, 2, 1, c'est parti. Et oui, il y a une touche pour faire apparaître des gens Kevin qui se baladent, qui sautent un peu partout. Et oui, il n'y a pas de touche pour l'enlever. Vous allez me dire, ouais, mais c'est marqué. Bon, déjà, on peut pas l'éditer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que là, je mets G pour sauter et pour sauter en fait. Je mets G pour sauter, je saute, j'en fais apparaître en même temps. Donc on peut combiner deux touches comme ça. Et là, ce que vous allez voir, c'est que lui, et du coup, c'est le premier qui est apparu. Donc lui, il va bientôt disparaître. Parce qu'en fait, il disparaît au bout d'une minute. Donc il faut bien le viser, pas le perdre de vue. Il est juste là. Et il va bientôt disparaître. Vas-y, disparaît mon poteau. On attend un petit peu. Parce que là, il va pas disparaître direct. Voilà, il faut pas le perdre de vue. Tu es juste là. Voilà, disparu. Et c'est pile une minute que ça dure, le temps avant de disparaître. Les autres vont bientôt disparaître, vous allez voir, parce que j'ai effectué la touche il y a pas longtemps. Et là, du coup, on va remettre jump ça. Et du coup, ce que je peux faire qui est plutôt drôle, c'est que là, déjà, on va les laisser tous mourir comme ça. On va essayer d'en faire spawn un maximum sur notre map. Voilà, ça pourrait être drôle. Par contre, je sais pas à quoi ressemblent vos amis dès que vous les invitez. Ils doivent ressembler à ça aussi. Et puis, bah, eux, du coup, c'est pas des. Du coup, ouais. Oh mais attendez, on peut faire un truc plutôt cool en fait. Sauf si y a les animations. Ouais, sauf si on peut pas changer les animations. On aurait pu faire un truc où on essaie de trouver nos amis parmi tout un stock de PNJ comme ça, mais en vrai c'est un peu galère à réaliser du coup. Parce que du coup il faut faire le même mouvement de déplacement. Et c'est pas réaliste après sinon pour repérer qui est le faux. Bon. Alors, c'est parti. On va appuyer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4. J'ai la flemme de compter. Mais j'essaie d'en faire pop un maximum en une minute. Voilà, je spamme la touche. Et on va être un maximum pour mon outro. Un maximum. Et à la fin, ils vont tous disparaître en même temps. Mais là, on va être un maximum. Il y a beaucoup trop de monde qui s'agite dans tous les sens. C'est abusé. C'est beaucoup trop fun. Et here we go. Voilà. Tous les gens qui viennent, putain. Oh, les FPS, oh, non. J'avais testé hier, j'en avais fait pop un peu moins. C'est pas. Putain, ils sautent dans tous les sens en plus.
C'est abusé. Coucou toi. En fait, ils font n'importe quoi dès qu'ils sautent. Ils sautent et ils font trembler leurs épaules. Ils font n'importe quoi. Un jour, faudrait que je fasse ça dans la vraie vie, que je vous montre. Vraiment, j'ai tellement envie de faire le mouvement qu'ils font dans la vraie vie un jour. C'est trop drôle. C'est trop drôle avec leur mouvement d'épaule. Putain. Bon. On va prendre un bain avec Claude, j'en fais spawn quelques-uns pour qu'ils puissent rester en vie. Voilà, parce que sinon ils vont tous mourir. Donc, bah voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. On va en voir certains disparaître devant nous. À mettre un petit like, une vue égale un like, c'est important pour le développement de la chaîne. À vous abonner si c'est pas déjà fait. À partager la vidéo à tous vos amis. D'ailleurs, on peut pas les taper au fait. Donc si vous essayez de les taper, bah ça sert à rien. À vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Ouais. Ouais, parce que le tchuss, je pouvais pas trop le faire, du coup autant faire cet outro là, voilà. Je la remets du coup. Sur ce, c'était Darkbo. Ouais.